commande au nom de Jésus. Maintenant même, je déclare que tu es maudit. Ta descendance est maudite. Tes champs sont maudits. Toutes tes entreprises sont maudites. Tout ce que tes mains touchent sont maudits. Je le déclare au nom de Jésus. Ta corbeille et ta huche sont maudites. Tu es maudit dans la ville et tu es maudit dans les champs. Le fruit de tes entrailles est maudit. Le fruit de ton sol est maudit. Les porteurs de ton gros et de ton menu bétail sont maudits. Toutes ces choses sont maudites. Tu es maudit à ton arrivée et tu es maudit à ton départ. L'Éternel envoie contre toi la malédiction, le trouble et la menace au milieu de toutes les entreprises que tu as faites jusqu'à ce que tu sois détruit. Toi, l'esprit de dragon, je déclare au nom de Jésus, jusqu'à ce que tu périsses promptement à cause de la méchanceté de tes actions que tu as portées contre Virginie, au nom de Jésus. L'Éternel attache à toi la peste jusqu'à ce qu'elle te consume dans la vie de Virginie. L'Éternel te frappe de consomption. L'Éternel te frappe de fièvre. L'Éternel te frappe d'inflammation. L'Éternel te frappe de chaleur brûlante. L'Éternel te frappe de dessèchement. L'Éternel te frappe de jaunisse. L'Éternel te frappe de toutes les malédictions qui sont dans l'ancienne alliance comme dans la nouvelle alliance. Nom de Jésus. L'Éternel attache à toi la peste jusqu'à ce que tu sois consumé dans la vie de Virginie. L'Éternel te frappe de consomption. L'Éternel te frappe de fièvre et d'inflammation. L'Éternel te frappe de chaleur brûlante. L'Éternel te frappe de dessèchement. L'Éternel te frappe de jaunisse et de gangrène. Qu'il te poursuive jusqu'à ce que tu périsses. Le ciel sur ta tête est des raies. Et la terre sur toi est du fer. L'Éternel envoie pour pluie à ton pays de la poussière et de la poudre. Il en descend du ciel jusqu'à ce que tu sois détruit. L'Éternel te fait battre par Virginie. Tu viens par un chemin et tu t'enfuis devant elle par sept chemins. Tu es un objet de terreur. Tu es un objet de sarcasme et de fou rire pour toutes les nations. Ton cadavre est la pâture. Ton cadavre est la pâture de tous les oiseaux du ciel et des bêtes de la terre. Il te dévore et il n'y a personne pour te venir au secours. Il te dévore et il n'y a personne pour te venir au secours. L'Éternel te frappe d'ulcères d'Égypte. L'Éternel te frappe d'hémorroïdes, de galles d'Égypte, de teignes dont tu ne peux guérir. L'Éternel te frappe de délires d'aveuglement, d'égarement d'esprit. Et tu t'attends en plein midi, comme l'aveugle dans l'obscurité. Tu n'as point de succès. Tu n'as point de succès dans tes entreprises. Et tu es tous les jours opprimé, dépouillé. Et il n'y a personne pour te venir en secours. Tu as une fiancée et un autre homme couche avec elle. Tu as bâti une maison et tu ne l'habites pas. Tu plantes une vigne et tu n'en jouis pas. Ton pain est égorgé sous tes yeux. Et tu n'en manges pas. Oui, Deutéronome 28, à partir du verset 16. Passage des mortels. Par le nom de Jésus. Ton bœuf est égorgé sous tes yeux et tu n'en manges pas. Ton âne est enlevé devant toi et on ne te le rend pas. Tes brebis sont données à tes ennemis et il n'y a personne pour te venir au secours. Tes fils et tes filles sont livrés à un autre peuple. Tes yeux le voient et languissent tous les jours après eux. Et tu es sans force. Un peuple que tu n'as point connu mange le fruit de tes entrailles. Un peuple que tu n'as point connu mange le fruit de ton sol. Un peuple que tu n'as point connu mange le fruit de ton travail. Et tous les jours tu es opprimé et écrasé. Le spectacle que tu as sous tes yeux te jette dans le délire. L'Éternel te frappe au genou et en cuisse d'un ulcère malais tant tu ne peux guérir. Il te frappe depuis la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête. L'Éternel te fait marcher, toi et ton roi que tu as établi sur toi, vers une nation que tu n'as point connue, ni toi,
ni tes pères. Et là, tu sers d'autres dieux, des dieux de bois, des dieux de pierre, des dieux de fer. Et tu es toujours, tu es un sujet d'étonnement et de sarcasme et de raillerie parmi tous les peuples. C'est qui l'Éternel te mène. Tu transportes sur ton champ beaucoup de semences et tu en fais une faible récolte. Car les sauterelles la dévorent. 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 C'est sur mon écran. Avec tes mains et tout ça. C'est bien fait de parler. Maman, pas besoin de ça. Maman, c'est bon là. Je veux dire, voilà, t'as tué le chien là, tu gères ça. Après, on prie pour ta tête. Tu fais une gravette. Donc, attention à toi. Toi, qui es-tu, esprit méchant dans la vie de Virginie? Parle au nom de Jésus. Qui es-tu, esprit méchant dans la vie de Virginie? Parle au nom de Yahushua, ma chia. Dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. Parle au nom de Jésus. Parle au nom de Jésus. Tes fils et tes filles sont livrés à notre peuple. Tes yeux le voient et languissent tous les jours après eux. Et tu es sans force. Un peuple que tu n'as point connu mange le fruit de ton sol et le produit de ton travail. Et tu es tous les jours opprimé et écrasé. Le spectacle que tu as sous tes yeux te jette dans le délire. L'Éternel te frappe aux genoux et aux cuisses des ulcères malins dont tu ne peux guérir. Il te frappe. Il te frappe depuis la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête. Il te frappe. L'Éternel te frappe. Il te frappe. L'Éternel te frappe. Il te frappe aux cuisses et aux genoux des ulcères malins dont tu ne peux guérir. L'Éternel te frappe. Il 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 te frappe aux genoux et aux cuisses des ulcères malins dont tu ne peux guérir. Il te frappe. 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 Qui es-tu? Qui es-tu, esprit méchant? Qui es-tu, esprit méchant? Dans ton nom. C'est toi l'esprit dragon? C'est toi qui l'as lancé ce sort-là? C'est toi l'esprit du dragon? Parle au nom de Yahushua, ma chère. Qui es-tu? C'est toi l'esprit du dragon? T'as tes loges, tu veux? Qu'est-ce qu'on fait? On note tout ça, on lui donne des informations, on laisse comme ça, et puis après on va lire ça verbalement. On va lire ça verbalement. D'accord, ok. L'esprit du dragon, comment tu as lu à sa vie? L'Éternel te fait marcher, toi et ton roi que tu établis sur toi, sur une nation que tu n'as point connue, ni tes pères, ni tes mères, ni tes fils, ni tes filles, ni tes ancêtres avant toi. Il vous envoie vers d'autres dieux, des dieux de bois, des dieux de pierre, des dieux de fer, des dieux de céramique. Et là, tu es un sujet d'étonnement et de sarcasme. Tu es un sujet de raillerie parmi tous les peuples chez qui l'Éternel t'envoie. Tu transportes sur ton champ beaucoup de semences et tu fais une faible récolte car les sauterelles la dévorent. Les sauterelles dévorent tes champs. 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 Elles les dévorent. Elle les dévore, 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 au nom de Jésus. Tu plantes des vignes et tu les cultives et tu n'en bois pas le vin. Tu plantes des vignes et tu les cultives et tu n'en bois pas le vin. Car tu en fais une faible récolte, car les vins la mangent. J'entends que les champs viennent manger, les vers viennent manger tes champs de vigne.
Il vient la manger maintenant. Il la mange. 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 Il mange des champs de vigne. Il mange des champs de vigne. Il mange tous tes champs de vigne. Il ne te reste même pas une seule once de vigne. Il ne te reste même pas une seule once de vigne. Les vers viennent manger tes champs de vigne. Les vers mangent des champs de vie. 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 Tant de Yahushua Mashiach. Dragon, comment tu as eu accès à sa vie? On a des salles qui regardent sur notre un rouleau de papier génie. Sur mon bureau là, un rouleau de papier génie. Dragon, comment tu as eu accès à la vie de Virginie? Par le nom de Yahushua Mashiach. Dragon, comment as-tu eu accès à la vie de Virginie? Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Comment tu as eu accès à la vie de Virginie? Comment tu as eu accès à sa vie? Comment tu as eu accès à sa vie? Par le nom de Jésus. Comment tu as eu accès à sa vie, dragon? Qui t'a envoyé dans sa vie? Qui t'a par le nom de Jésus. Quel parent? Ses parents partenaires. C'est-à-dire, donne plus de détails au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, voici un guide de prière de combat terrible contre le monde des ténèbres. Alléluia. Amen. Oui, les dix plaies selon Exode 7. Amen. Voilà, verset 1. Voilà. Voilà, Exode 7. Les dix plaies. Vous pouvez les utiliser puissamment dans la prière de combat. Amen. Exode 7, verset 1 à 29. Alléluia. Un puissant guide de prière de combat que vous pourrez actualiser en fonction des réalités que vous traversez. Que le nom de notre Seigneur vous bénisse. Assurément, dans la soirée ou dans les heures qui viennent ou dans les jours qui viennent, nous allons préparer un document de guide de prière de combat sur la base d'Exode 7, versets 1 à 29, pour aider plusieurs des enfants de Dieu qui sont sous la possession démoniaque, qui sont dans la dépression, qui sont depuis trop longtemps, qui ploient depuis trop longtemps sous la domination des anges déchus ou des démons. Sa maman est la soeur de ton mari. Viens checker. Sa maman est la soeur de son mari. Sa maman est la soeur de son mari. Donc c'est sa petite soeur, c'est la petite soeur à sa... Non, elle est la belle. Elle dit que c'est sa maman qui l'a envoyée. Elle dit que c'est sa maman qui l'a envoyée. Donc tu es la tante à Virginie, c'est ça? Non. Tu es la femme du mari. Tu es la femme de l'oncle. De Virginie, c'est ça, non? Donc, tu es la belle tante. De Virginie, c'est ça? C'est toi qui l'as lancé le sort, là? C'est toi qui l'as lancé l'esprit du dragon? Mais elle n'avait pas ça avant? Elle n'était pas colérique avant? D'accord, ouvre la bouche et fournis-moi la. Elle a lancé le sort dans le flanc, dans le sein gauche. Le sein gauche. Elle a fatigué beaucoup. Où? Elle est sous la tête. Tu t'appelles comment, mamie? Tu t'appelles comment, vieille sorcière? Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Donne ton nom de Jésus. Tu as dit que tu as la belle tante de Virginie. Virginie a pris des belles tantes. Comment tu t'appelles? Je ne veux pas de confusion ici. Par le nom de Jésus, comment tu t'appelles? Donne ton nom! Comment tu t'appelles? Donne ton nom! Et tu m'enlèves l'envoûtement que tu as mis sur son côté, dans son cœur aussi. Tu m'enlèves toutes les maladies que tu l'as lancées. Je les vomis et que toutes ces choses-là sortent dans le nom de Jésus. Dépêche-toi. Tu dis qu'il t'appelle comment? Il t'appelle comment? Tu as oublié ton nom. Laisse-la d'abord dans le studio. Si tu ne donnes pas ton nom, viens me couper dans ta gorge pour enlever ta langue. Tu t'appelles Bernadette. Tu t'appelles Bernadette, c'est ça? Vous êtes combien qui êtes en train de détruire la vie de Virginie?
rallonge les lumières, tu vois pas bien. Le rallonge là, c'est ça qui est le fond là. Bon, Bon, Bernadette, enlève l'envoûtement que tu as mis sur elle là. Dépêche-toi. Remis-le au nom de Jésus. Allez, enlève l'envoûtement là. Que cela vraiment te sorte d'elle. Au nom de Jésus. Allez, enlève tout ce que tu as mis en elle. La maladie que tu as mis dans son côté gauche. Dépêche-toi. Je le fais sortir d'elle par le vomi au nom de Jésus. Enlève tout. Enlève tout. Enlève. Retire ma voûte pendant le nom de Jésus. Obéis au nom de Yéhoshua Machia. Enlève tout. Malheur à toi s'il y a une seule once dans voûte mandel. Nous allons envoyer deux anges de l'éternel descendre dans ton sanctuaire et égorger chacun de vous. Jette dans les abîmes. Relâche ça au nom de Jésus. Feu dans ta main. Taille ta main en pièces. On n'a pas fini. Enlève tout et vomis toutes les maladies, les infections, les envoûtements que tu m'as lancés par sort. Dépêche-toi. Nom de Jésus. Bien-aimé, c'est un cas de délivrance qui est triste. Parce qu'elle s'appelle Virginie. C'est une dame qui vit ici en Côte d'Ivoire, dans la ville d'Abidjan, précisément dans la commune de Port-Bouy-Gonzac. Et malheureusement, elle est envoûtée par sort. Je ne dirais pas qu'il est envoûté. Elle était envoûtée et il y a plusieurs années de cela, elle était là. Elle a senti comme une flèche sur le flanc, sur le sein. Je casse ta main. Et depuis lors, elle a des fortes douleurs. Je brise ton foyer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dépêche-toi de lui enlever tout le reste de ton poison. Allez, dépêche-toi. Elle a déféqué dessus. Je suis les pieds, je sens l'odeur. Elle va déféquer là-dessus. Bernadette, tu as fait caca sur elle. Je me repos par lui, pardon. Tu as fait caca sur elle. Enlève-moi cette odeur de nauséabonde. Je dis ça, non. Je sens l'odeur de la chier dessus. Dépose. Allez, enlève l'odeur de caca là. Va me prendre rapidement du papier génicois là. Je prends le marteau de cet esprit. Je brise ton poignet. Je brise. Dépose-moi ce poison là dans les abîmes. Dépêche-toi. Enlève-moi l'odeur de caca que tu as mis sur elle. Ça continue de sentir sur elle, comme si elle avait défiqué sur elle. Mais, bien aimé, si tu étais là présentement, tu l'as senti comme si tu as le don de pouvoir respirer les odeurs spirituelles, tu sentirais comme une forte odeur de défécation sur elle. Amen. Le monde occulte utilise. Voilà. Oui. Voilà. Le monde occulte utilise cette technique-là pour provoquer l'échec total, pour provoquer la précarité extrême, pour provoquer l'indigence extrême dans la vie des enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Vous pouvez ne pas sentir l'odeur, mais vous allez remarquer que vous êtes frappé d'une indigence incroyable, vous êtes frappé d'une précarité extrême. Alléluia. Tout ce que vous êtes en train de faire ne vous réussira pas. Comprenez que quelque part, un esprit humain de la sorcellerie vous a défiqué là-dessus. Il est trop sadique. Alléluia. Maman va même faire pitié, sinon c'est pareil. Si tu es victime de cela, je te prie de rentrer en contact avec nous. Allez, toute ta saleté. Nous allons changer, nous allons commencer ce programme de jeûne et de prière pour toi. Après t'avoir présenté la sainte doctrine, bien entendu.
maman est sorcière. Bon, c'est toi qui prends le visage de sa maman. C'est ça? Elle est sorcière. Sa maman est sorcière. Vous travaillez ensemble? Elle voit la femme, elle voit tout. Elle voit sa maman. C'est toi, qui lui a volé le don de vision. C'est toi qui lui a volé son don de vision, des songes là. C'est toi qui lui a volé son don de songes et des visions. C'est toi. Quand tu vas finir d'enlever la chiotte, elle, on va la laver avec le sang de Jésus. On va prendre de l'huile d'onction. Elle dit ça, de l'huile d'onction. Parce que ça, tu es considéré que sur le sang de Jésus. C'est ce que le Seigneur me dit. Après, il va lui vendre ce don là. Enlève-moi toute cette chiotte. Elle voit. Enlève tout ce que tu as mis. Dépêche-toi. Dépêche-toi. Maman, venez la prendre, vous allez la mettre dans les toilettes. Vous allez passer l'huile d'onction là sur toute sa partie de son corps. Ils lui ont chié dessus. Ils ont déféqué sur elle. Donc ça fait qu'on a l'impression qu'elle a une odeur de chiotte. C'est pas méchant. Allez, debout. Vous l'amenez, vous passez partout sur son corps et vous proclamez, nous te lavons avec le sang de Jésus. Nous te purifions de toute défécation avec le sang de Jésus. Abraham, viens prendre autorité ici. Viens prendre autorité, on va te voir. Prends la partie que tu as lue là. Tu prends autorité, tu lis ça avec autorité. Non, c'est Facebook. Je t'ai dit, il ne faut plus faire sur Facebook, non. Donc, tout français est en train de parler là. Ça ne fait pas pour vous défendre. Moi, c'est tout le monde français est en train de parler et mon petit frère, c'est que je pense. Pas fait direct. T'as bien fait, non. Moi, quand j'ai fait direct, j'ai appris, j'ai fait direct. De quoi tu as fait indirect? Quand t'as été allé déjà foutre dans direct là. Ça bouillonne. Il y a combien dedans? Ah, mais c'est bon. C'est comme ça que plusieurs d'entre nous se sont chopés des démons ou même souvent même la grippe. Tout est malade, tout est tout. Allez, vomis. Vomis toute ta semence en elle. Bois le sang de la destruction. Au nom de Jésus. Le sang de la destruction des ténèbres. Bois le sang de Jésus. Bois le sang de Jésus. Mange la chair de Jésus. Selon Jean 6, verset 54. Mange la chair de Jésus. Bois le sang de Jésus. Mange la chair de Jésus. Mange la chair de Jésus. Bois le sang de Jésus. Mange la chair. Bois le sang. 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 Nom de Jésus. Le sang de Jésus te tourmente. Ouvre la bouche et vomis toutes tes semences. Ouvre la bouche et vomis toutes tes semences au nom de Jésus. Ouvre la bouche. Et vomis tous tes envoûtements. Ouvre grandement la bouche et vomis tous tes envoûtements au nom de Jésus. Je proclame que le serpent qui a avalé, selon Exode 7, le serpent qui a avalé tous les serpents des magiciens, j'entends que ce serpent-là vienne te piquer maintenant. Que ce serpent vienne te déchirer. Que le serpent de Moïse descende contre toi. Que te déchire maintenant par ses côtes. Que te déchire avec ses côtes. Que le serpent de Moïse vienne te déchirer avec ses côtes. Je te déchire. Allez, vomito. Je te déchire. Ce serpent-là te déchire. Le serpent de Moïse te déchire. Toi et toute ta confrérie au nom de Jésus. Il te déchire. Il te déchire. Elle est malade. Elle est malade. Elle est souffrante. Elle est souffrante. Je vois comme un esprit de maladie qu'on lui a lancé là. Allez, vomito. Bernadette, c'est toi qui as lancé des maladies à sa fille. C'est toi qui as lancé la maladie. C'est sa grande sœur. Elle s'appelle comment?
C'est sa grande soeur qui l'a lancé un sort. Triomphe, vous commandez à la maladie, à sa grande soeur lui a lancé un sort. C'est pour ça qu'on voit les fruits de maladie là. Commandez-lui de retirer la maladie d'elle. Et commandez à sa soeur qui s'appelle Esther de sortir dans le nom de Jésus. Qu'est-ce qu'elle lui a fait, Triomphe, attends. Qu'est-ce qu'elle lui a fait? Elle a enfouté. Quel est le sort qu'elle lui a lancé? Là-bas, ma fille. Ma fille. Quel est le sort qu'elle lui a lancé? Elle a donné quoi? Elle a donné le sang. Il s'est occupé quoi? Quand on lui donne l'eau, elle transforme l'encens. J'ai fait le fait. Elle a nié. Elle a nié. L'avait envoûté. Elle a nié. Elle manque de sang. Vous l'avez envoûté. Elle manque pas de sang. Ils lui ont lancé une maladie. Quel est, quel est le sort qu'elle lui a lancé? Quel est le sort qu'elle lui a lancé par le nom de Jésus? Quel est le sort qu'elle lui a lancé? Elle veut l'initier à la sorcellerie. Commandez à l'esprit de la sorcellerie de le sortir. Elle a initié par l'eau. L'eau qu'on lui donne. Comme les parents. Comme les parents. Comme les parents ne prient pas sur l'eau qu'elle boit. C'est par là qu'ils l'ont voûté. Amen. Donc commandez à l'esprit de la sorcellerie de sortir d'elle. Ça va sortir par le baillement, par le fouet. Et par la suite, commandez à Esther, sa grande soeur, qu'il a envie de sortir dans le nom de Jésus. Elle s'appelle Esther. C'est qu'elle a initié à la sorcellerie. Esther. Allez, vous demandez sur le nom de Jésus. Dépêche le nom de Jésus. Vois le sang de Jésus. Vois le sang de Jésus. Vois le sang de Jésus. Bois 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 le sang de Jésus. Ouvre la bouche et bois le sang de Jésus. Ouvre la bouche et bois le sang de Jésus. Ouvre la bouche et bois le sang de Jésus. Ouvre la bouche et bois le sang de Jésus. Abby, bon arrive à toi. Que Dieu te bénisse. Ça fait 2 jours, hein? On ne te voit plus sur le front. C'est quoi? C'est les bénédictions sont trop. Ah, ma foi. Les bénédictions sont trop. Donc, quand c'est comme ça, elle est venue faire la tâche, Dieu. Elle a eu bonheur. Ah, elle est chrétienne maintenant. Puis, quand Dieu ouvre une porte, là, Dieu, c'est fini, hein? On garde dessus le Seigneur. Bois le sang de Jésus. Bois le sang de Jésus. Bois le sang de Jésus. J'ai dit, vomis toutes tes malédictions que tu lui as lancées. Ouvre la bouche et vomis toutes tes malheurs que tu lui as lancés, pasteur. Ouvre la bouche et vomis tous tes sortilèges que tu lui as lancés. Au nom de Jésus. J'aurais besoin de latex. De latex. J'ai besoin de 5 seaux de plus. Vous me mettez ça. 5 seaux de plus. De latex et de sachets jetables. Ouvre la bouche. Allez, Bernadette, déchire-moi tous les vêtements mortuels que tu l'as fait porter. Déchire-moi, non, pour les jours à venir, s'il vous plaît. Déchire-moi le vêtement mortuel que tu l'as fait porter. Ce vêtement mortuel que tu l'as fait porter, déchire-le au nom de Jésus. Par la suite, tu vas me déchirer le vêtement de la maladie que tu l'as fait porter au nom de Jésus. Tu l'as mis une manche longue mortuaire. Elle a fait porter une manche longue mortuaire. Elle a mordu. Tout est mort sur elle. Enlève tout ça là. Son appel de Dieu, là, c'est ça. C'est pas parce qu'elle a fait longtemps. Hein. Mais comme ça, tu aimes Dieu. Abraham, pas m'éteindre sur elle. Elle aime Dieu. Tu verras mieux d'aller. Sinon, il y a longtemps, on a fini avec elle. Jette ça dans les abîmes et puis quitte là. Mets pas ça dans mon bureau. J'ai fort à faire avec le monde entier. Vous n'allez pas venir me lancer une soeur encore. Allez, dépose. Tu n'es pas encore parti. Chiffre du Saint-Esprit. Dépose. Chiffre. Là. Relax, Dieu. Fatigue l'esprit déjà.
C'est le Saint-Esprit qui permet tout ça en nous. Tu t'occupes de Ruth, hein. Tu prends l'éloge à Abigail, vous priez pour Ruth. Voilà, il faut qu'on ouvre plus de bouche. Il faut qu'on ouvre. Elle part aujourd'hui. Vous me faites venir Ruth, vous allez prier pour elle, ouvrez plus de brèches. Elle aime Dieu. On a tout Dieu en elle, mais pas nous. Tout sa vie de prière, tout ce qu'on a tué, on l'a assoupi. Elle n'arrive pas à prier, mais quand même. Ok, déchire-moi le vêtement de la maladie que tu l'as fait porter au nom de Jésus. Quand tu vas finir, tu vas enlever aussi les chaînes qui sont sur elle, la corde que tu as mis à sa hanche, à sa cheville, à son poignet, et tu vas chercher son âme, tu vas me la ramener au nom de Jésus. Déchire-moi le vêtement de la maladie que tu l'as fait porter. Déchire-moi le vêtement de la maladie que tu l'as fait porter au nom de Jésus. Quelles sont les maladies que tu l'as données? Avec ça, colère. Donc, vous savez ce que vous devez faire, non? Tu sais ce que tu dois faire, non? On avait dit hier en réunion. Voilà, tu appelles toutes les femmes là. Mets le couteau là-bas. Enlève tout. J'ai ça. Le micro est là-bas. Pasteur Boussini. On va arriver là-bas aussi. La croisade. Dépêche-toi, enlève tout. Tout ce que tu as mis comme colère. Enlève la colère. Retire la rancune d'elle. Retire les murmures d'elle, l'amertume d'elle. Enlève la colère d'elle. Enlève, retire aussi les problèmes de cœur d'elle au nom de Jésus. Enlève les problèmes de cœur et la colère dans le nom de Jésus. Mais pourquoi elle a des douleurs au cœur alors? Pourquoi elle a des douleurs au cœur si elle n'a pas des problèmes de cœur? Mais alors, mais c'est ça qui fait qu'elle a mal au cœur là. C'est quoi? C'est quoi alors que tu as mis là? Ce corps étranger que tu as mis dans ce cœur, c'est pas pour provoquer des palpitations cardiaques? Alors, c'est toi qui m'apprends Christ. Je déchire l'acte médical satanique qui disait qu'elle avait mal au cœur. Il disait que son cœur était rempli de colère et d'amertume au nom de Jésus. Je déchire. C'est l'opposant que tu as mis dans son cœur. C'est l'opposant. Comment on appelle ça en bon français? C'est une bosse. C'est une bosse. C'est pas une bosse. Je vois quelque chose. Il y a un corps étranger qu'elle a mis dans le cœur. Ça fait que son cœur est rempli d'amertume, de regret. Elle n'espère même plus en Dieu. Quoique elle place sa confiance en Dieu. Mais elle se dit, bon, elle c'est... C'est, comment on va dire ça en beau français, quoi. Ce qui lui arrive, c'est normal. C'est pas ce que tu as fait. Merci. Je déchire l'acte médical satanique qui disait qu'elle était remplie d'amertume. Elle était remplie de désespoir. Elle était remplie de désespoir. Elle avait régné au nom de Jésus. En bon français, là, on appelle ça, elle s'est résignée. En bon français, on appelle ça. C'est le découragement. Hé! C'est pas maintenant nous corriger. Alors, maintenant, tu te tais. Est-ce que au village? Mais est-ce que les gens jouent à ça? Tu la fermes! Qu'est-ce qu'elle est résignée? Allez! Enlève ça! Enlève la résignation de son cœur! Je vais pratiquer la sorcellerie. Enlève la résignation de son cœur! Retire le feu de Dieu! Feu! Je t'envoie devant ton hôtel. Et je te commande au nom de Jésus, non seulement tu vas retirer l'amertume, le découragement, la résignation d'elle, mais au-delà de cela, tu vas lui rendre tout ce que tu lui as volé. Et tu vas lui rendre aussi son âme. Nom de Jésus, dépêche-toi. Fais sortir cela par le vomi, par le baignement au nom de Jésus. Ouvre la bouche. Fais sortir la résignation d'elle. Fais sortir le découragement d'elle. Ça va sortir. Ça ne sait pas pourquoi. Tu es Dieu, toi. Fais remonter, vomis ça au nom de Jésus. Retire d'elle le découragement. Retire d'elle le désespoir. Retire d'elle l'amertume. Retire d'elle la sédentarité spirituelle. Retire ces choses-là d'elle. Retire d'elle l'obésité spirituelle. Retire d'elle le coma spirituel. Au nom de Jésus. Obéis. Obéis.
Bois le sang de Jésus. Ah, toi-même, tu connais. Allez, bois le sang de Jésus. Bois le sang de Jésus selon 1 Jean 1, verset 7. Bois le sang de Jésus. Bois le sang de Jésus. Fais sortir de l'amertume, le désespoir, la résignation. Fais sortir de le découragement. Fais sortir de la paresse spirituelle. Fais sortir d'elle l'obésité spirituelle. Fais sortir d'elle la négligence. Fais sortir d'elle la pauvreté. Fais sortir d'elle la précarité. Et tu m'enlèves aussi les dents. Déchire-moi les dents de la pauvreté que tu as mis dans ses nez. Déchire-les. 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 Déchire-les au nom de Jésus. Déchire-moi les dents de la pauvreté que tu l'as fait porter au nom de Jésus. Je les mets ici. Déchirons le vêtement de la pauvreté que tu l'as fait porter. Déchire-le. Depuis le sommet de sa tête jusqu'à la plante de ses pieds, tu me déchires ces choses-là dès le nom de Jésus. Son âme, où tu l'as enseveli? Son âme, où tu l'as caché? L'âme de Virginie, où tu l'as caché? Parle au nom de Jésus. Où tu as caché son âme? Tu vas te projeter là-bas. Tu vas aller me chercher son âme. Et tu vas la lui rendre à un instant même au nom de Jésus. Où tu as caché l'âme de Virginie? Où tu as caché l'âme de Virginie? Parle au nom de Jésus. Où tu as caché l'âme de Virginie? Parle au nom de Jésus. Tu l'as caché où? L'enterrer où? J'ai pas entendu. Où est-ce que tu l'enterrais? Dans quel cimetière? Il n'y a plus de cimetière en Côte d'Ivoire. Lequel des cimetières? Dans lequel des cimetières? Dans lequel des cimetières tu as enterré son âme? Par le nom de Jésus! Mais quel cimetière? Dans quel cimetière? Cimetière, c'est pas cimetière. C'est cimetière, c'est cimetière. Je prends la hache. C'est l'esprit. Tu as dit où ça? Où ça? Mélio, je prends l'épée du grand carnage. Comme David a décapité la tête de Goliath. Je te taille en pièces. Au nom de Jésus. Je te taille en pièces. Au nom de Jésus. Taille, 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 d'Abobo, à Niangon. D'accord, va me déterrer son âme. Non, faut aller là-bas, t'allais prendre son âme. Dépêche-toi. Appelle plusieurs femmes, vous allez la prendre dans votre bras. L'esprit de l'esprit va sortir d'elle. Quand elle ouvre, va prendre son âme dans le cimetière là. Dépêche-toi. Appelle toutes ces mamans-là. Vous allez la prendre dans votre bras. Vous la prenez, vous va, dépêche-toi. Le Lucifer va sortir dans le nom de Jésus. Quand t'as envolé, toi, va dans ton cimetière, là, tu prends son âme pour le mettre. Va dans le cimetière de l'eau, va prendre son âme. Non. Hein? C'est toi, c'est bon. Alors? C'est toi qui décides, mais c'est Dieu qui décide. Faut pousser devant ici. Faut pousser, sinon, bien que ma tête. Viens ici. On va te torturer comme jamais tu ne te torturer pas. Que ce soit au nom de Jésus. Je prends le marteau du Saint-Esprit.
que je trempe dans le sang de Jésus. Au nom de Jésus. Je brise ta ligne. Au nom de Jésus. Je brise ta ligne. Au nom de Jésus. Je brise ta ligne. Au nom de Jésus. 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 Va chercher son âme, dépêche-toi. C'est ta colonne vertébrale que je vais démonter, j'étais par j'étais. Va chercher son âme. La couronne que tu as sur la tête, je saisis le marteau du Saint-Esprit. Et je casse ta couronne. Au nom de Jésus. 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 Casse, au nom de Jésus. Casse. Casse ta couronne. Au nom de Jésus. Je l'arrache de ta tête. Le trône sur lequel tu es assis, ce trône en squelette qui te remplit d'orgueil. Voilà ce que je fais du contrôle. Feu du Saint-Esprit. Feu. Je vais ordonner que le feu du Saint-Esprit descende depuis le troisième ciel. Et consume ton trône qui est fait en forme de squelette. Au nom de Jésus. Feu du Saint-Esprit. Feu du Saint-Esprit. Feu du Saint-Esprit. Descend depuis le troisième ciel. Consume son trône. 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 Consume le. 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 Au nom de Jésus. Allez, va prendre son âme. Déterre-le. Déterre-le. Voilà la position essentielle. Et me fais le tonnerre. Voilà la position essentielle. Fais le tonnerre. Au nom de Jésus. Fais le tonnerre. Voici la position essentielle. Déterre son âme. Voilà comment l'essentiel marche, mon bien-aimé. Voilà. Voici comment l'essentiel marche mutuellement. La tête en bas et le postérieur en haut. Voilà comment l'essentiel marche. Je check ça bien long. Allez, le Père, son âme. Notre esprit. Tu attends quoi? Je vais t'aider. Mon dépêche-toi. Je saisis le feu du Saint-Esprit. Je tombe dans le sol. Dépêche-toi. Reprends son âme. Reprends son âme. Reprends son âme. On dit l'âme de Bernadette, je te prends. Dis l'âme de Bernadette, je te prends. Dis l'âme de Bernadette, je te prends. L'âme de Virginie, je te prends. L'âme de Virginie, je te prends. Prends, monsieur, l'âme de Virginie, je te prends. Je scelle son âme dans son corps maintenant, par le sang de Jésus. Je scelle son âme dans son corps. Son âme en enveloppe par quoi le nom de Jésus. Je le scelle, je le boucle dans le sang de Jésus. Rien ni personne ne peut le lui arracher désormais, au nom de Jésus. Allez, ramasse ses étoiles, donne-lui. Bernadette sorcière, ramasse les verres de Virginie, fais-lui donner. Dépêche-toi. Allez, ramasse toutes ses grâces, son étoile. Tu les ramasses toutes et puis tu les mets sur sa tête. Dépêche-toi. Ne t'ai-je pas dit sur sa tête. Je sais ses grâces, je sais son étoile, je sais tout ce qui lui appartient maintenant. Sur sa tête, dans sa vie, au nom de Jésus. Je proclame que tout ce que tu as fait dans sa vie a échoué. Sans tu t'es de puissance et de façon passée dans le sang de Jésus. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu me devant le Seigneur Jésus. Maintenant, en genoux devant le Saint-Esprit. Tu me veux la gloire dans ta vie. Dis-moi, tu l'as initié à la sorcellerie. Tu l'as initié à la sorcellerie. Mais je vois que vous ne me souvent à manger. Vous avez tenté de l'initier à la sorcellerie, qu'est-ce qui s'est passé? Mais vous avez tenté de l'initier, qu'est-ce qui s'est passé? C'est sa maman qui vous l'a vendu. Sa maman s'appelle comment? Elle est Hélène. Donc tu travailles avec sa maman et espère sa grande sœur. Mais qui l'a initié Esther? Qui a initié Esther à la sorcellerie? C'est ta grand-mère.
mais c'est la maman de qui? D'accord. Et c'est ça. Et c'est sa grand-mère qui a initié sa fille. C'est pas toi qui a initié la fille. Exode 7, verset 8 dit, l'Éternel dit à Abraham et à Christiane, si Bernadette vous parle et elle vous demande, elle refuse de lui donner son don de songe, son don de vision, si elle refuse de lui donner sa vie de prière, sa vie de jeûne, sa vie de mortification, vous prendrez la verge et vous la jeterez devant Bernadette. Ainsi, elle deviendra un serpent. Et Abraham et Christiane allèrent devant Bernadette et firent ce que l'Éternel avait ordonné. Abraham jeta la verge devant Bernadette qui devient un serpent. Devant Bernadette, je jette la verge d'autorité. Dans le nom de Jésus, m'a donné devant toi. Il devient un serpent. Regarde ce que ce serpent fait. Il te tourne autour. Il se lève contre toi, prêt à te piquer si tu ne lui rends pas sa vie de prière, si tu ne lui rends pas sa vie de jeûne. Regarde, ce serpent s'en va autour de toi. Il s'en va autour de toi. Il te lacère dans ses. Dans ses. Dans ses. Dans ses. Dans ses. Il te traîne, je t'étreins, 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 je
comme tu refuses de lui rendre tous ses biens, je saisis la veille d'autorité. Et l'eau que tu bois au quotidien, je la frappe. Je frappe cette eau. Et elle se transforme en sang. Je frappe cette eau. Et elle se transforme en sang. Je frappe cette eau. Elle se transforme en sang. Je la frappe. Je frappe cette eau. Je frappe cette eau. Je frappe cette eau. Je la frappe. Et toute l'eau que toi et ta prophétie disait se transforme en sang. Elle se transforme en sang. Dépêche-toi de lui rendre sa prière. Dépêche-toi de lui rendre son nom de sang. Dépêche-toi de lui rendre son nom de sang. Ça c'est quoi? C'est comme ça qu'on voit la vie de prière d'un enfant de Dieu. Tu sais, ça c'est pas sa vie de prière. Chut du Saint-Esprit. Va me chercher sa vie de prière. Au nom de Jésus. Et comment les enfants de Dieu prient Dieu? Comment nous les enfants de Dieu nous prions au Seigneur Jésus? Baisse-toi. Baisse-toi. Merci. Merci. Grande sa vie de prière au nom de Jésus. Le sang de Jésus.